Deo Mazima, président de l'association Iwuka Mémoire et Justice en Belgique. Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Le 30 avril 2016, jour de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis dans la ville de Charleroi. Notre association, notre communauté a prévu de rappeler simplement ce qu'elle entend par commémorer le génocide. Commémorer le génocide contre les Tutsis, c'est honorer et perpétuer la mémoire de ces victimes, c'est témoigner du vécu de ces victimes trépassées et rescapées, c'est transmettre et retransmettre l'histoire douloureuse de ce génocide, c'est se recueillir et penser sur les voies et moyens pour qu'une telle tragédie humaine ne se reproduise plus jamais. Commémorer un génocide, commémorer le génocide des Tutsis, c'est aussi réveiller, sensibiliser, faire campagne et éduquer les citoyens, en ceux y compris les politiciens, sur le mal absolu auquel peut conduire le mépris et où la haine de l'autre. La soif aveugle du pouvoir et ses dérives, le fanatisme et les extrémismes à caractère ethnique, communautaire, politique et religieux. La commémoration d'un génocide est également un appel à une solidarité agissante en faveur des rescapés de ce génocide. Qui, ces rescapés, frappent aux portes de la compassion, de l'empathie, de l'écoute et la compréhension des tiens dans le combat pour lequel ils ont survécu. Quel est donc ce combat pour lequel ces rescapés ont survécu? Quelle est cette mission des rescapés? Écoutez-le, écoutez les rescapés. Observez-les parce qu'ils sont aujourd'hui à l'œuvre. Ces rescapés, ces catalyseurs des idéologies politiques, activités et actions appropriées pour barrer la route à la récidive de ceux qui ont subi. Ces rescapés sont des catalyseurs. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai pensé, j'ai estimé vous demander d'avoir une pensée particulière à la dame, à la fille rwandaise Tutsi, pour sa résilience. Je parle de Célera, aujourd'hui active. Aujourd'hui catalyseur des activités et actions pour le bien de son peuple. Je parle évidemment de celle trépassée sous les coups des bourreaux, sous les coups des génocidaires. En ce soir, en ce jour de commémoration, il est vrai, nous avons une pensée générale à toutes les victimes Tutsi de ce génocide, mais nous avons, dans le cadre de cet ASBL à Charleroi, aujourd'hui, nous avons pensé vous convier à particulièrement penser à nos mères, à nos filles, à nos sœurs.